Là, l'antipoison pour le chien, ça serait vraiment bon. On est enfin tombé sur un problème qui existe. Ah oh ouais, puis je pourrais marcher. Wow, 240! Le chien pourrait défoncer les champignons, genre. Ça coûte 100, ça pourrait être parfait, genre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre pour le chien? Plus de vitalité. Je commence à trouver qui. Ah, mais man, 120. 120, puis j'en ai 140. Ça coûte ben trop cher. Mettons que j'ai un autre pont à construire. Violet. Y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à. Oh, y'en a deux là même. C'est l'autre bord, hein? Ah, j'ai trouvé les trois élèves! Tu les as secourus tous les trois! Je sais pas comment te remercier. Ça va faire l'affaire, madame. 50 pièces. Spartan en a vraiment, vraiment beaucoup. Par contre, dans la cinquantaine de jeux qu'il a, il doit y en avoir deux ou trois bons. Moi, je suis quand même assez, assez conservateur sur mes achats Nintendo. Genre, mettons, c'est très Nintendo, Zelda, Mario. C'est comme toutes les variantes de Mario, j'ai les là, tu sais. Le New Super Mario, le Mario Odyssey, le Mario Golf, le Mario Tennis, le Mario Party, le deux fois, le Mario Maker, le Mario Mario, le Mario Mario, le Zelda, les Zelda, pis tout. Je suis une bien pêtre conseillère digne, indigne de confiance. Mais au moins maintenant, je peux assumer la responsabilité de ramener mes élèves chez elles. C'est tout des faits. Ah, c'est là, c'est le nouveau personnage, c'est le pilote. Hey, c'est toi la recrue dont tout le monde parle, c'est fou. Je te suis hyper reconnaissant. Moi, c'est Bernard, je suis le pilote du Shepherd. Et je suis super content de te rencontrer, c'est limite ridicule. La capitaine nous a dit que t'étais une tête. T'étais une tête? Et elle a eu raison. T'es trop cool, t'es une tête. Quoi? Non. Quand j'avais mes feuilles à la place des cheveux, j'arrêtais pas de penser aux dents dorées. C'était comme l'angoisse, je te jure. Du coup, j'ai besoin de toi. Il faut que t'ailles sauver tous les autres qui se sont fait folifier. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu fais pas ça pour rien, hein? J'ai des matériaux bruts à te donner. Je compte sur toi alors, me déçois pas. Ok, bonne chance. Donne-moi le cash. C'est tout? Bon, mais je devrais peut-être faire des trucs de nuit. Le dent de riz contre les feuilles rouges, ça c'est le vrai angoisse à avoir en platine. Ça compte-tu pour le 100%? Bernard, c'est mon père. Gérard, moi, c'est mon grand-père. Il y en a tellement... Bon, ça compte pas pour le 100%, tant mieux. Laser Suit Larry, Wet Dream, Don't Dry, c'est un excellent jeu. De quoi tu parles? C'est un jeu coquin, hein, ça. C'était pas des jeux dans le temps... Dans mon fichier Excel, j'en ai 58. Dude, j'avais un fichier Excel à jour avant. Je l'ai pas remis à jour. Tu vois, Spartan, on est pareil. J'avais un fichier Excel pour savoir... Ouais, jeu coquin. J'ai jamais joué à un Laser Suit Larry. J'en ai entendu beaucoup de choses. Je sais qu'à la base, c'est des jeux PC. C'est un peu genre comme si tu te promènes dans le manoir Playboy. Mais tu vois pas de nudité, une affaire de même. T'es dégueulasse. Come on! Juge-le pas! Un petit beach volleyball, extreme volleyball, là. Peut-être qu'elle connaît pas ça. Imagine si t'arrêtes le jeu, là.
Mais non, mais lui, le chien, il est supposé se... Attends une minute, là, c'est n'importe quoi. Les ordres. Là, faut surveiller la bâtisse qui est là. Parfait, ça. Oh, mais... Ça s'en vient, là, ça s'en vient, faut l'aider, là. La base se fait attaquer! Attends une minute, faut péter lui avant, là. Il se veut tu? Non, il veut pas, hein. Non? On fait pour monter en haut? Merde, je l'ai! T'es dans la merde. T'es dans la merde. Mais c'est un petit jeu d'été, genre, tu y feras découvrir. Je voulais streamer ce jeu-là, mais malheureusement, je sais pas comment le faire. Sur les premières Xbox. Non, man, c'est la base qui se fait attaquer vite! Back up, back up! On est vraiment dans la merde. Faut que je récite. Je récite, les gars. Faut que je me fight sit. Ça se peut que 2-3 de tes jeux s'envolent. Oh non. C'est une collection. Attends, je t'ai joué, j'arrive. Ben oui, c'est super good vibe. Parfait pour perdre la boule. Non, mais c'est comme dans le thème Barbie. C'est comme dans le thème Barbie. Genre, tu sais, tu peux mettre des maillots de bain aux filles pis tout. J'ai déjà vu y jouer en plus. Quoi? Quoi les circonstances? Ça va trop déballer, man. Ça va trop déballer les dossiers, là. Ça n'a pas de sens. Salut, je t'invite à la maison. Se fais-tu un petit game de volleyball? C'était pour lui apprendre le volleyball. Ah, ok, ok. Je m'en rappelle plus. C'est quoi cette emote-là? Derp à fond. Wait. Ta gueule! Ta marnouche. On dirait qu'il y a comme plus que le volleyball. C'est plus que du volleyball. Créature vaincue, 20 sur 20. Incroyable. On a une pilule. C'est quoi cette affaire-là? Ah oui, attends une minute, je dis n'importe quoi, c'est le truc qui est converti en pilule. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est le nectar qui est converti en pilule. Excusez-moi. Mais c'est toujours plus que du volleyball, mais c'est toujours plus que du volleyball big. Extreme volleyball?
Big. On dirait que je suis pas capable de t'imaginer dire Big IRL. En vrai, je suis pas capable. Oh! Incroyable! Big Will Will! Merci beaucoup pour le raid! Bienvenue tout le monde, bienvenue! Bon, moi, je vais y aller. Sayonara et joyeux Noël des campeurs, les petits amis. Ok, hey, pour vrai, McDark Goat. Pour une fois que tu nous souhaites un joyeux Noël. Vrai gamer. Saphirot, merci beaucoup pour ton sommeil. T'es rendu un vrai gamer. Très apprécié. Trop gay pour ça. Qu'est-ce qu'il dit là? Sacré Purdy Pain. Non, mais ça n'a pas rapport. C'est plus une question de... Comment on pourrait appeler ça? Genre de douchebagitude? Mettons, moi qui fais des bigs, ça marche pas. Genre, toi non plus, genre. Ça n'a pas rapport, bro. Ça n'a pas rapport. Mais bonne soirée à toi, McDargold. Bonne nuit. Faites beaux rêves. Puis joyeux Noël des campeurs, man. Salut, Big Will. Il dit qu'il est pas capable de dire Big. Paf, il me summon. C'est vrai que c'est assez ironique. Mais Big Will, tu sais, les grosses roues, genre. Ça marche. Mais genre, mettons, tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis hey yo, Big. Ça, c'est. Ah, man. J'ai l'impression de revenir en début 2000. Salut, MP8. 8D, bienvenue sur la chaîne. En passant, bienvenue sur la chaîne tout le monde. Merci beaucoup pour les follow. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'est Noël pour moi. Ouais, comment tu te sens, Mirali? Donc, à douche. Donc, à Kuma et douchebag. Chut. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. J'aurais pas dû trop m'embarquer là-dedans. J'aurais pas dû m'embarquer. C'est la vérité, j'en pense. C'est toi qui m'as secouru. Merci, ta bonté restera jamais aggravée dans mon âme. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, Big Will? Will? Il faisait du Minecraft. Incroyable. Est-ce que t'avais un mod? Est-ce que tu fais genre de la survie? Moi, l'an dernier, là, pour la première fois, j'ai battu le dragon sur Minecraft. La méditation, il joue un rôle important, surtout pour... S'exercer au défi d'Andori. Voudrez-vous en faire un essai? Pas vraiment. Vas-tu me donner mes points, pardon? Non, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit oui! Ok, oui, non, mais c'est ça. Oui, donne-moi ton argent. Il en faut trois autres. Ah oui, celle-là. Celui-là, on n'a pas eu la médaille triple platine, tout. C'est fou, man. Il y a vraiment un gars pour toutes les affaires qui existent dans le jeu. C'est quand même bien fait. T'as-tu dit oui? T'as-tu dit oui? T'as dit où? Peut-être poil, maudit cave, nan. T'as-tu dit oui? C'était ça, hein? Je me souviens. Non, non, du bon vieux Minecraft old school, on faisait les champs aujourd'hui. Les champs. Je sais pas si on est sur... Vous voyez ça qui arrive, man? On parle tellement anglais, je sais même pas si le gars il me dit les champs ou il faisait des champs comme de l'élevage ou de l'agriculture. Des patates poêles, maudits caves. Ça me fait rage. Même moi, genre, je suis comme « Fuck, qu'est-ce que j'ai fait? » Champy? Non, non, les champs de melon d'eau. Ah, ok. Tu sais pas, man, le monde parle tellement anglais aujourd'hui. Disait, je faisais les champs aujourd'hui. Ah ouais? Un championnat, genre, quelque chose. Complètement perdu, le gars. 4. Alors, la charge, on l'a toujours pas boosté. Quoique la morsure, ça pourrait vraiment être bon. Là. Le chien peut nous. Il peut backer. The fuck is that? C'est quoi ça? C'est-tu un grilled cheese? Grilled cheese slice? Ah, oh, ça a l'air bon. Aujourd'hui, j'ai eu une envie de pogo, man. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas mangé des pogo. Puis là, je vois des grilled cheese, je me dis, on dirait que c'est un peu le même mood. Je vais mettre morsure. On veut que le chien commence à défendre pour de vrai, là. Niveau 1, il peut taper des petites cochonneries. Comme ça, ouais. Là, il peut snap, genre,
un miniature. Moi, je pense que je vais tout booster ces affaires-là. Pérus, oui, exactement. C'est Pérus qui a starté ça. Avec la toune Animal Crossing incroyable, tu l'as encore. À vous, hein, Mirali? Je me rappelle même plus j'étais où. Le fameux... T'as-tu dit oui? Je pense que c'était quelqu'un... J'étais en train de nager dans Animal Crossing. J'étais en train de nager dans l'eau. En train d'essayer de pogner des coquillages. Bichon. J'ai l'intime conviction que mon arrivée sur cette ancienne planète a été orchestrée par mes amis les muses. La musique est le vecteur universel de la culture. Ces terres délaissées doivent regorger de trésors musicaux. Si d'aventure tu venais en trouver, aurais-tu la bonté de les rassembler pour moi? Oh! J'envisageais de solliciter ton aide pour retrouver certains trésors. Mais je vois que tu t'y attelles déjà. Je suis ravi de voir que nos violons sont accordés, gros pinet. Excusez-moi, hein, je suis complètement... Fait que là, si je récupère des instruments dans les objets à récupérer, en plus, ça snowball. Ah oui! Fait que le 290, je pourrais peut-être retourner au labo. Faut toujours environ avoir 100 matières brutes. Ça pourrait être utile. Être ralenti, c'est pas un problème. Les bottes à crampons, on n'a pas rencontré cet ennemi-là encore, mais ça va sûrement arriver dans pas long. Les coups de poing, on dirait que je comprends pas le délai. Le sifflet, je trouve pas... Je pense que je vais y aller avec plus de vie pour le chien. Vu qu'on va l'envoyer se fight. Vu qu'il commence à mordre, là. Oh! Plus plus? Non, j'y ai mis plus de vie. Moi, je voulais qu'il y ait plus de défense. Ah, en tout cas, peu importe. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Bon, je viens de faire la zone 2 à 100%. Je peux enfin mettre le pied dans la zone 1. À ce point-là. Bon, ben, je vais me faire un souper. Bonne fin de stream, Big. Merci beaucoup, Big Will. Merci beaucoup. Je vais te follow, puis j'irai voir qu'est-ce que tu fais. Merci beaucoup de m'avoir choisi pour le raid. C'est très gentil. Je te souhaite un bon grilled cheese, c'est ça que tu manges. Zone 3, prout mental, ok. J'aime ça, gentil, y aller genre par étapes. Je me dis, zone 2, on va la faire 100%, puis ensuite, on va aller à l'autre. Puis la prochaine zone, là, j'ai tellement... Je veux pas envie de dire j'ai trop d'attente, mais pour vrai, la maison, j'ai fucking out. Bouffe de souris, c'est la meilleure. Ah, j'avoue, là, j'ai tellement une envie de grilled cheese, là, que c'est ça, cette affaire-là. Un bon grilled cheese avec une soupe Elmer. C'est long. Le loading est long. On pourrait aller chercher le melon. Ou sinon, on fait le tour. Allô, la map? Ok. Il y a l'épreuve qui est là. Il y a le melon qui est là. Ah, il y a une autre épreuve. Je pense que je vais prendre des Pikmin bleus. Je vais faire le tour. Je vais prendre des Pikmin de glace aussi. J'en veux. Let's go. J'aime tellement ce jeu-là, c'est relax. Bacon, jambon et filoché, damn.
Tout un projet, par exemple. Ah, clairement, il faut envoyer ça. Fuck is that? C'est quoi ça? Pourquoi j'en ai 10 000? Pourquoi j'en ai 10 000 qui sont sur le projet? Genre, wow, les gars! Genre 20, on est correct? Oh shit! Oh, pas bien. Tout va bien, tout va bien. C'est quoi ça? Oh, chien! C'est bon. Ok. Moi? Zone. Je suis en train de me... Ah, oh, ils sont en train de se fight. Non? Non, pas du tout. Il y en a une couple qui sont morts. Fuck! Ça ressemble à un coquillage fossilisé. On va regarder ça après, j'ai pas tout compris. Ça fait du bien, on va clearer cette zone-là. Je sais pas c'est quoi mon grilled cheese préféré. Je pense qu'un de mes grilled cheese préférés, c'est genre... juste une tranche de jambon, là. T'sais, quelque chose de sain. Genre, tu mets deux tranches de fromage orange, une tranche de jambon dans le milieu, un peu de poivre. That's it, un gars sain, là. Ça peut-tu passer par là? Ah ouais, mais eux autres sont dangereux. Oh, la vieille glu! Oh, what the fuck, il me bouffe! Ah ouais, ils sont bons dans leur élément. Ok, je comprends. Mais ils bouffent vraiment mes Pikmin. Mais c'est du bien joué. Débrouille bien. Et puis il y a cette affaire-là, juste là. J'étais là comme what the fuck, pourquoi ça? Il se passe rien. J'étais encore sur le chien, genre. C'est que c'est nice en dessous de l'eau. Ah, pas ça, man, pas ça.
petit poisson! Quand l'eau descend... Oh, les poissons, c'est comme des vrais poissons! Ah, c'est-tu que c'est nice comme animation? C'est un massacre, les gars. Encore une fois, je suis en train de tout tuer, là. Si, qu'est-ce que c'est ça? Puis le truc, il vise pas. Asti, que ça donne envie de fesser. Les bleus! Est-ce que ça vise mal en dessous de l'eau de main? Non, ça va pas. Ça va pas, je fais un massacre. Là, il va bientôt être... Il va être l'heure d'arrêter ça, genre. Ça marche pas, puis je continue, je m'entête, genre. Je m'entête. Non, c'est une minute, c'est vrai, j'avais fait en dessous. Ah, je peux pas les rappeler de même. Attends une minute, demain. C'est un désastre. Je trouve costaud, on est coincé! Ok, on va voir ce que ça ressemble, genre. Avec l'huître. Oignons caramélisés. Ah, c'est tellement bon, ça. Ça eu ma alpaque. C'est bon, ça, pour vrai, les oignons caramélisés là-dedans. Ah, il y a une banane! Avez-vous vu ça, genre, what the fuck, la banane? Salut, Squall? Bienvenue sur la chaîne. Bonsoir, bonsoir, ça va bien? Bon, let's go, là. On va aller. Ah, t'es-tu sérieux? J'ai été trop long. Faut être plus patient. Ça devrait passer. Oh, nice! Banane, man. What the fuck? Ok. C'est quand même pas pire. C'est pas pire. Il y a une zone où on pourrait descendre en bas. What the fuck? J'ai laissé un trésor? Un trésor, j'ai pas ramassé. Je vais retourner l'autre bord. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Ça va déjà te coucher. Bonne nuit. Bonjour, bonne nuit. La banane va être un bon trésor pendant 3 jours. Un bon trésor pendant 3 jours? Même, je comprends pas. Les hosties de pique!
combien, là? Ton groupe peut compter 10 Pikmin de plus! On va pourrir après, ok, ok, je vois le genre. Je vois le genre, je vois le genre. Wow, 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 t'as te calmé? Je joue mal. Je joue mal! Y'a rien ici. Oh, y'a cette affaire-là que j'ai laissée là. Il vise à côté. C'est vraiment de la saloperie, cette affaire-là. Let's go! Parfait. Alors, je, faut pas que je fasse le call là. Ah, si j'ai ça. Pourquoi j'ai fait ça là? Ici. Il y en a tellement. Je vais essayer de rentrer dans le truc au sol, je pense. Non, je pense que je vais faire ça. Il y en a qui sont déjà fleuris. Ou si on passait la journée au complet dans le temps. On a l'épreuve là. On a l'épreuve là. Je pourrais peut-être descendre en bas. Ouais, je pense que je vais descendre en bas vite vite. Alors, j'ai manqué le message. Fenray qui dit Great cheese, fromage suisse, jambon et pomme. Alors là, je suis dessus, c'est pas le bon fruit, là. C'est pas le fruit auquel je m'attendais. Non, je niaise. Après un certain temps, ils fleurissent. Moi, c'est quoi, mettons, la formule, mettons? Faut se dépêcher pour le melon, là. J'en ai 80. Ça va être parfait, ça. J'aimerais sortir les Pikmin mauve, mais j'imagine que c'est dans l'eau. Ah non, c'est pas dans l'eau. Bref, le chien est fort, man. Ah, ça va être parfait, ça. Ça, en arrière, il n'y a absolument rien. Absolument rien. Comme le melon, mais il est tellement énorme. Après ça, on aurait quoi? L'épreuve qui est là. L'épreuve qui est là. Visitez ça, puis... Écoute, après ça, ça s'en vient bien, là. C'est quasiment fini. J'aimerais ça de me sentir à l'école. On dirait qu'il y a comme une cloche à la récré. Il y a un sifflet. Y a-tu juste moi, genre, ça fait ce feeling-là? Ça me semble que c'est rien. 15 000! Formidable, regardez-moi ce luminium! Pourtant, le réservoir de Schaeffer n'a pas l'air de se remplir. Très curieux, il semblerait que le luminium ne possède ni volume ni masse. Autrement dit, peu importe la quantité d'énergie que nous collectons, nous aurons toujours la place de la stocker. Hey, j'ai une question, mais... j'ai le même feeling, hein, ouais, c'est ça. J'ai une question à mes connaisseurs de Pikmin dans le chat.
admettons que je me grouille pour aller faire un sous-sol. Est-ce que le jeu, vu qu'on est on est rendu dans la zone rouge du timer en haut, est-ce que, vu que le temps avance 6 fois moins vite, est-ce que j'ai le temps de faire le sous-sol? Puis quand je vais sortir, genre, je vais être téléporté à ma base? Non? Attends, non, comment? J'ai pas le temps? Ça te bloque, ça dit non. Ah, intéressant, gars. Merci de l'info. Eh ben. Il n'y a vraiment plus rien à faire pour ce niveau-là, bon. Ouais, il n'y a vraiment plus rien à faire. Si tu es à la limite... Ok, si je suis avant le... Ok, attends une minute, attends une minute. T'es en train de me dire que si je suis avant la limite de rouge, puis que je rentre dans un sous-sol, dans une grotte, puis que je prends le temps que je veux, peu importe, ça va tout le temps finir par faire en sorte que quand je charge, je vais être pile sur le rouge. Oui. Fait que techniquement, ce qui est le mieux à faire à la fin d'une journée, c'est de rentrer dans un sous-sol, et non au début. Pas expliqué, ça nulle part. T'as dit c'est rouge, tu peux pas. C'est vraiment intéressant, les gars. Fait que demain, je suis mieux de commencer ma journée. J'explore le plus que je peux, puis dès qu'avant que ça rentre dans le rouge, je rentre dans le truc. Ouais, ça va être ça qu'il va falloir que je fasse. Et d'après moi, il y a sûrement un truc de téléportation en haut. Une fois que tu vas sortir, tu auras le compteur à 10. Puis, une fois que le compteur est à 10, puis que mes Pikmin sont sur le dos de mon chien, est-ce que je suis obligé d'être dans le cercle? Dans le cercle du vaisseau pour pas me faire bouffer? Ou genre, on s'en fout? Non? Attends, mais le nom, comment? Fais... Obligé? Salut. Salut, Dédé. Ah, c'était vraiment un fossile. Salamonite. Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est pas un salamonite. Genre, salamonite, c'est pas du saumon. C'est pas un saumon. Croissant des rapins. Ok, man, bravo. Tu marches sur une banane. Ok, man. Planète triée. Ah, oh, what? What? J'ai fait 2%? C'est quoi cette folie-là? Allez? Ils sont sur toi, t'es safe. Tu peux terminer n'importe où. En autant que tu as... Ça, t'es Pikmin qui te suivent. Mais c'est ça la strat de base. C'est ça la stratégie. Parce que, genre, quand tu ressors d'un souterrain, d'un sous-sol, on est d'accord que... C'est toi qui décides le nombre de Pikmin que tu veux. Fait que tu peux faire en mode genre j'en veux pas. Tu peux les mettre sur toi, genre. Jour 24, les amis. Je pense que ça je vais faire. Papa, papa, papa. On va explorer la montagne, ça veut dire. Direct qu'on repart déjà, man. Pas le temps de niaiser. 59, c'est fou, man. 57 à 59, on a tellement pas avancé. Ça va être tout pour moi. Merci pour le beau stream. Merci d'avoir compati à propos de ma récompense de pisse. Après ma mission, bonne nuit, Neve. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Kakamon. Merci beaucoup d'être passé. Je peux complètement compatir. Je compatis complètement. Nombre de jeux que je fais, puis j'ai l'impression que j'ai jamais la récompense que je mérite. Je vous dirai pas le jeu de l'année qui m'a fait cette impression-là, parce que là, on va repartir dans un débat. Ça commence par un Z. Non, c'est pas vrai. Les gens veulent quoi? T'as pas aimé? Non, j'ai aimé. Jeu de l'année. Ah, oh, man. Je suis d'accord, malgré tout, que c'est le jeu de l'année. Fou furieux, le gars. Sinon, il y a quoi? Il y a quoi comme jeu?
Ils me suivent, là. Broum, broum, broum. Gloom. Gloom. Gloom, jeu de l'année. C'est affaire de vie. Ça, c'est de la vraie vie d'homme. On devrait jouer à ces jeux-là pour nous remettre le cerveau en place. Faut se rappeler c'est quoi un bon puis un mauvais jeu. Ok, oui, c'est ça. On veut aller ici. Ça sonne comme une affaire de boss. Je vais aller là. Puis après ça, je vais monter la jambe de montagne. Ouais, ça, je pense que je vais faire. Bonsoir, gros Pinet. Salut, Mega Shrek, ça vient. Que je devrais attendre que l'eau descende. Je vais attendre que l'eau descende, voir qu'est-ce qui va arriver ici. Oh, attention, il y a des éboulements. Ah, c'est un château de sable! Tellement nice! Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, esti, on se fait fourrer. Ah non, non, mais continue. Il faut juste qu'il... Non! Ok. On va se tasser les éboulements, là. Ah, ouais. Ah, il y a un raisin! Raisin lime. Ah, moi, j'en reviens pas. J'ai appris cette semaine. La semaine passée, en fait. En France, les gens ils disent citron vert pour une lime. Pourquoi? Ah, c'est lui qui fout la merde. J'entends des Pikmin qui se font écraser là. C'est pas bon tout ça. Il y en a plus beaucoup. Ah shit, il y en a un qui est... Calic! Sérieux? Il y a rien qui va. Ah, il était affolé. Calic. Il y en a deux qui sont morts. Alors clairement, il me faudrait des Pikmin... Mais qu'est-ce que... Clairement des Pikmin jaunes. Là, what the fuck, quoi, ils sont... C'est vraiment le point qu'on les a mis. Alors, Pikmin jaunes. Mettons, on va les appeler ça va être parfait, ça. Oh, what the fuck! Ça va être atroce! Faut vraiment pas qu'il aille là! C'est bon, ça! Ah oui, ça sonne comme un boss, ça. Ah oui, puis on va pouvoir se mettre là, ça va être parfait.
fait n'importe quoi. Cette technique-là, elle fait n'importe quoi. Let's go, les gars! Ça attaque, ça attaque! C'est bon. Ah oui, on va l'éclater, là. Oh, je suis pas sûr que c'est bon, cette technique-là, là. Rise! Arrête. Nice! Oh, what the fuck, ça donne des sushis. Déplaçons la base au plus vite. Parfait, ça. Hop, parfait. C'est pour ça que je veux faire. Comme ça. C'était ma première journée après mes vacances. Pour vrai? Nice. Sais-tu que la compagnie a fait faillite? Attends, mais la compagnie qui a fait Gollum a déjà fait faillite? Déjà. On va trop vite. Ah, ils sont plantés là-bas. Yeah. J'en reviens pas. Ça, c'est quand même comique. La petite branche, let's go! Attends, mais c'est n'importe quoi, cette affaire. Mettons, je remonte là avec le chien, je remonte là. Genre ici. Moitié de la journée. Ils ont gardé le côté éditeur. Oh man. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'était trop gros pour eux autres. Voyons donc. C'est bien décrissant. C'est gêné, je suis. Ton 30. Ils ont fait faillite, mais semble, ils ont fermé le studio de développement. Ils feront juste publisher. C'est pas drôle, hein? C'est vraiment pas drôle. Faut parer, les amis. C'est chien pour eux, hein. C'est un studio qui venait de où, ça? Pourquoi le chien est allé en bas, comme un car? Le chien vient par ici. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, là. Allemagne, je crois. Les Allemands, ils savent pas comment avoir du plaisir, je pense. Les Allemands, ils savent pas comment avoir du plaisir. Non! Ils ont pas fait comme nous autres. C'est vrai, ils sont pas faits comme nous. Ils savent pas avoir du plaisir. Non mais c'est ça, genre les gars sont pas capables de se relâcher un peu, là.
Alors, les gars, ils partent de deux guerres mondiales. Ils font des jeux de marbre. Le chien, il fait-tu quelque chose? Il fait rien. Hey, en passant... Hey, désolé, j'ai manqué le message. Sadilim, après, ça vient nous faire des leçons comme quoi on parle un français pas assez pur, matiné d'anglais. Ça, les Québécois, genre, ils font ça. Salut, Xalt. Bienvenue sur la chaîne. Ben, tu sais, moi, je pars plus du principe suivant, OK? Je suis pas là pour faire des... Je suis pas là pour faire des petites guéguerres de qu'est-ce qu'on dit pis tout, mais c'est juste que, admettons que un citron pis t'as une lime, donc un citron vert. Rendu là, c'est fou parce que genre t'as des oranges, des clémentines, des agrumes. Tu sais, comme je sais pas, il y a comme trop de mots. Comme pourquoi citron vert? Je pense que lime, ça vient de l'espagnol, ça se pourrait-tu? Il y a un truc là. Ah, il y en a partout! L'office québécois de la langue française, c'est mieux que l'Académie française? Écoute. Savais-tu que speedrun en français, c'est sprint vidéo? Je m'excuse. C'est de ma faute. Moi, je voulais rapide aux courses. Ils ont pas voulu, les gars. J'ai tout préparé. C'est quoi ça? C'est le bulbe bleu? Hein? Plus besoin des jambes. Ah oui, c'est parce que les autres sont plantés là-bas. Hey, vite! Ça va être celui-là qu'on va rentrer dedans, finalement. Mais lui, il donne rien. Right? Ah, oh, c'est pas beau, un poisson de même! Combien il faut pour geler? 30, hey, avoir su. Ça a vidé le truc. Y'a rien d'autre. On l'a déjà. Ah, il y a aussi un trésor là. Puis un trésor là. Attends, on dit où le trésor? On va régler ça. Je me rappelle plus que ça. Ça dit que tu peux l'avoir à deux endroits. Ça me donne-tu un plus 10? Non, je pense que ça fout rien, hein. Ça fout rien. On va aller chercher les deux trésors-là. Peut-être même les fruits. Un chacal des chacos. C'est quoi qu'il va nous déterrer là, non? C'est un sifflet! C'est parfait. Bientôt la journée, ça... Eh oui, bientôt, vite! Faut aller avant que ça soit rouge, là. On viendra demain pour le... Asti, vas-tu me rendre? Mon son coupé, les gâteaux est en train de mourir. Donnez généreusement. Ah, mais le sifflet, il va retomber au sol, parce qu'ils n'auront jamais le temps de l'apporter. Asti, on va rentrer dedans, ça va être dead.
Bon, mais tant pis. Ah, discothèque souterraine. Alors que je gérais dans l'obscurité, je suis tombé sur un lieu très mystérieux. De puissants projecteurs fuck off. Je vais juste rentrer. Pourquoi je lis? Un gars qui s'énerve, genre. il est plus capable, genre. Aucun des deux tant que cheval est pas officiel. Ah, mais cheval, man. Cheval, genre. Ah. Des chevaux. Je sais pas, le mot est plus beau. Rapido course peut rentrer dans le dictionnaire si on l'utilise assez. T'as tout à fait raison, méga Shrek. Si on impose notre mentalité, ils vont être obligés de nous accepter à un moment donné. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Vous forcez à un moment donné, puis vous devenez l'ami de tout le monde. Oh shit. C'est quoi ça? C'est Toréadon? C'est quoi cette affaire-là? Attention. Non? Non? Même si on force, on peut pas devenir l'ami de tout le monde? Holy shit! Il m'a décollissé! Non, 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 le chien, faut qu'il reste avec moi, genre. Les rouges girons? Ben, let's go. Je parlais de cheval? Ok. Bon, un cheval au pluriel, c'est pas beau. Je suis pas fan. Comme les journaux, genre, c'est comme ouais. Les oreilles me frisent. Ça sonne beaucoup mieux. Voilà. Quand j'étais jeune, il y avait un monsieur, c'était un Français, qui avait un dépanneur pas loin de chez moi. Puis j'avais été acheter des journaux. Puis j'ai dit, ouais, je vais prendre le journaux qui est là, monsieur. Puis il a dit, un journal, ça sonne beaucoup mieux. Puis là, j'étais comme, ah! La culture! Non, je dois avouer que j'étais un petit con, puis du coup, je sais qu'est-ce qu'il dit là, mais je vais parler comme je veux. Non. Faut changer notre mentalité. Il faut se plier des fois. Au bon parler, ça fait du bien. Tu sais qu'il fait là, le chien, il est dessous? C'est trop easy, sinon. Ben, tu sais, il y a des règles, tu sais. Cheval est une colline que je vais mourir à défendre. Incroyable. J'aime le... C'est pas du tout tragique, votre affaire, les gars. Je vais mourir pour ça! Ouais, vous avez voté pour quoi en 95? Hein? Êtes-vous prêt à mourir pour de vrai? Well, I fucked up. Je sais pas comment c'est arrivé, vraiment, mais ça... Il me reste 3 Pikmin de glace d'eau. C'est pas grave. Tout peut se réparer dans ce jeu-là. Des fois, tu penses que t'es fini, puis genre, tu peux quand même, genre, faire des trucs popés, genre. Stresse pas avec ça, Block B. Moi, j'ai failli passer à côté de l'oignon bleu au début, puis finalement, j'ai utilisé des bombes cryo. Des bombes pour glacer un lac, pour ramener mon oignon bleu. Fait que non, tout est pas... Ah, 5 étages, est-ce que ça fait chier? Je me souviens plus pour qui j'ai voté en 95, j'avais 4 ans. Ben, c'est ça le problème! Moi aussi, j'étais trop jeune, maudit. J'étais pas là en 95. T'étais-tu dans l'idée d'être conçu? J'avais moins 8 ans. Ben, c'est ça l'affaire. J'ai voté oui dans mon cœur. J'avais 9 ans. Ben, c'est ça. Tout le monde a fait ça. Caroline. Oh, mais écoutez, inquiétez-vous pas. J'imagine que tous nos parents ils ont voté oui, mais. C'est pas ça qui est arrivé. Vous savez la suite, là. Malheureusement, vous savez la suite. Ici, c'est vraiment le seul stream Twitch
on peut parler de, du référendum de 95 de manière décomplexée. Je suis assez fier de ça aussi. Oh shit! Ah, tout se passe bien. Parfait, parfait. Mes parents ont voté oui 100% sûr. Ouais, moi aussi, pas mal sûr. Mon père, là, mettons, pas mal sûr. Genre, mon père se faisait taper dessus à coups de matraque par la police parce qu'il allait dans les manifestations. Cette affaire, là. Votre référendum de 95 pour savoir si le Québec devient un pays, oui ou non. Ça a pas marché. Ça a pas marché, le monde n'a pas gagné à chier. Le monde a eu peur. Un peu comme la Catalogne. La Catalogne. Je sais plus comment on dit ça. Catalogne, oui, c'est ça, excusez-moi, là, Catalogna, là. Parce que j'ai regardé un stream dernièrement avec Marty Vengeance sur Pixel War, puis il essayait de mettre des pixels. Puis c'est Catalogna, genre, qui était écrit, puis j'étais comme, ah ouais, c'est écrit de même. Excusez-moi, les gars, je vais aller me flageller. Entre un journal, puis deux chevaux. Je vais me flageoler, les gars, désolé. Le pas. Catalan, la Catalan. Excuse! Cette affaire-là, c'est une bougie, ça. Hey, bro, fais attention, t'es en live. Comme pourquoi? Attention de quoi? Il faut de l'orthographe? Salut, pause. Ça sonne bien après que tu l'aies dit 20 fois. Fun fact, on a envoyé avec... On a voyagé avec Gilles Duceppe en 2000 à Venise, pour vrai? Attention. Ouais, attention à quoi, genre? Es-tu rendu... Hey, en même temps, t'es en 2023. LOL! Ça se trouve, m'a apprendre que, genre, le référendum de 95, c'est un mouvement d'extrême droite. Cancel. Ouais, c'est ça. Cancelez-moi. J'ai pas peur de me faire canceller pour ça, genre. Canceller 5 fois si vous voulez. Arène Neve, oh my god. Quoi? Oh my god, de quoi? Quoi, Dom? Pourquoi j'ai dit? PQ de droite? Quoi? On se voit sur Kick, bref. Quoi? Le PQ de droite. Le Parti québécois, c'est de droite maintenant. C'est qui, là? Ben ouais, mais je m'en fous des streamers sur Twitch. Les gars sont complètement l'autobus. Ah non, mais là, genre. Non, mais là, genre, honnêtement, genre. Je vois quand même pas, genre, commencer à me plier à des enculés qui regardent des émissions, genre, sur Internet, genre. Genre, il y a un moment, il y a une limite, là. Il y a une limite, genre. Genre, à un moment donné, il y a des limites, là. Reset. Reset quoi? Je vais rien reset? Ça marche pas de même, c'est pas moi qui est malade? On est rendu où? M'a mouré. Le pire, c'est que la souveraineté, c'est de gauche à la barre. Ben oui. Genre, peut-être qu'il y a des gens qui apprennent ça, présentement. En fait... Ça peut être de n'importe quel côté, mais historiquement, en tout cas, peu importe. On avait un des rares mouvements indépendants qui était de gauche. T'as raison, papa. Ça peut être de n'importe quoi, là. C'est quoi qui se passe? Ah, ils sortent de l'autre côté? Le chien me suit pas?
Je peux-tu remonter? Pourquoi le chien vient inverse? Pourquoi le chien inverse avec moi? Pourquoi le chien est dans le trou et il revient plus? Attendez, là, c'est le fun de la politique, mais... ça va être compliqué pour mon cerveau, là. Là, je dois ramener... Lionel Gros, c'est plus de droite, mais FLQ, c'est plus de gauche. Ben oui, mais le mouvement, il est de tous les horizons. Comme n'importe quel mouvement normal, genre dans une société. Là. Surtout à l'époque, quand le monde n'était pas complètement lobotomisé. Là. Genre, tu parles de Lionel Gros, tu peux avoir un historien plus catholique, pro-nationaliste. Il veut faire, mettons, du Québec plus la Laurentie. Tu peux avoir un mouvement révolutionnaire comme le FLQ. Attends une minute, là. Où c'est que je m'en veux? Le PQ est de centre-gauche. Ben, il semblerait que plus aujourd'hui. Selon, peut-être, certaines personnes sur Twitch. Mais encore là, je pose la question, là. Des gens qui regardent la télévision, là. Est-ce que c'est vraiment un modèle qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment l'opinion qu'on veut? Tu me liras, Nev, j'ai expliqué. Bon, attendez, là. C'est plus par rapport à l'immigration, parce que le PQ, c'est le seul parti qui veut baisser les seuils, mais bon, écoute, pour des petits cons, c'est de la droite. Après, lol, c'est déjà ce que j'en parle. Ouais, exactement, genre. Moi, j'ai voté pour Macacoto aux dernières nouvelles. Il était dans mon comté. Il y a plein d'idéologies qui se rencontrent à ce moment-là. Excellent choix. Ben là, il est plus là, genre. Là, maintenant, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui est rentré dans mon comté. Voilà, pour des raisons de des raisons de non-transparence. Je vous dirai pas pour qui j'ai voté, là. T'sais. Vous pouvez pas voter QS, t'sais. La fille a volé des pamphlets, genre. Je suis désolé. Je m'excuse. Je vais. Genre là. Vol de dépouillant, c'est ça, genre. Comment qu'on fait pour monter? C'est la première fois que je suis coincé dans un. Peut-être que le vent il pousse ailleurs maintenant que j'ai touché au bouton. Non, pas du tout. Attends, mais là, c'était ça? Le bleu a l'air d'amener là. Fait que j'imagine qu'on va aller là. Mais comment je fais, genre, pour me... monter là-dessus? Ben c'est ça, je m'en vais dans le trou, puis là, tout le monde meurt? C'est débattable, en effet. Ben anyway, vous savez comment ça va finir, genre, tout le monde va débattre, tout le monde va s'ostiner. Puis absolument rien va changer. Genre. On a dû lancer ça? Oh non, mais attends une minute, ça doit être ça. Je dois essayer... Ok, attends une minute, je pense que j'ai compris. Ok, maintenant je l'ai, je pense que j'ai compris. Mais non, mais attends une minute, ça a rien changé? Là, il pousse par en avant. C'est ça, là, il pousse. Là, il va m'amener en haut. Je vois rien. Comme une tendance eurosceptique à LFI. Tout de gauche, chevènement. Chevènement de France. Ah, moi, l'Union Européenne, je suis pas français, mais je vous souhaite pas l'Union Européenne. Ça a l'air dangereux. Ça, c'est quoi, ça? C'est-tu des Pikmin mauves? Mais c'est clairement là que je vais aller. Fa-
Fuck, comment ça... Je comprends rien à ce niveau-là. Ça va pas dans l'eau. Là, là, je m'exclus du débat, hein. Continuez à débattre. À votre geeks, faites juste garder la bonne ambiance. Je comprends vraiment pas quoi faire. Si on descend là, là... Non! Fuck. Les seuls débats politiques que j'aime, c'est ceux que je peux dérailler et rediriger vers « cheval devrait être » dans le dictionnaire. Ah. Ah non, mais attends une minute, c'est ça... Non! Ok, je pense que j'ai compris. Dans le fond, c'est pas moi qui va... C'est pas moi qui va se rendre là. Changer le sens au bon moment. Ok, je pense que j'ai compris. C'est pas moi qui essaie de sauter là. C'est mes Pikmin. Right? Là, il retombe là. Là, il monte. Là, il marche sur le fil de fer. Il grind, en fait. Ah, puis il en faut plus. Non! Ok, ok, c'est la première fois qu'on tombe là-dessus, là, attendez. On va l'avoir, on va l'avoir. Ok. Ils vont grinder. Ça me fait dans le... PSPP fait une sacrée bonne job. Je suis d'accord. Je suis d'accord, genre le fait que... Alors bon, ça va pas changer le monde, mais... Le fait qu'il remet en question la monarchie, c'est déjà pas pire. Comme moi, ça me plaît. Comment je vais faire pour monter là? Je suis vraiment perdu, man. Ça met combien, genre 75? Ah, il n'y a plus de trésor. C'est 100%. Là, comment qu'on fait pour aller les pogner? Moi, il faut que j'aille sur cette affaire-là. Je comprends rien à cette affaire-là. Il y a zéro républicanisme anglophone au Canada, même après la mort d'Elizabeth II. Non, les Canadiens anglais, ils se définissent vraiment, genre, comparativement aux voisins du sud, les Américains. En gros, si tu veux pas la monarchie, tu descends au sud, genre. Depuis, c'est historique, là. Ok. Pour vrai? Oh, je pense que j'aurais dû sauter à ce moment-là. Ça se peut-tu? Ok, attends une minute. Je pense que j'ai compris. Il faut sauter au bon moment, par contre.
Long live the queen, comme dirait Biden. Biden, man. Je pensais que c'était une joke. Je pensais que c'était une joke quand, il disait, quand Trump il disait que l'autre il était en train de devenir sénile. Je pensais vraiment que c'était une joke. Mais des fois, tu l'écoutes parler pis t'es comme, what? C'est pas une joke? Il sait pas, il est où? Ah, oh, c'est quoi ça? C'est les nouveaux Pikmin. Pikmin LA. C'est comme des petites filles. J'ai la berlue ou quoi? Ils volent? Décidément, il y a des Pikmin pour tous les goûts. Voyons ce que je trouve sur eux. Les Pikmin ailés. Comme leur nom le suggère, les Pikmin ailés ont développé des ailes et sont capables de voler. Cela leur permet de transporter des choses par les airs, ce qui peut faire gagner du temps. Leurs attaques au sol sont médiocres, mais ils sont sans égal en combat aérien. Ok, intéressant. Autrement dit, le ciel est à notre portée. Ces Pikmin vont être très utiles pour explorer la planète et secourir tous les naufragés. Je déteste Trump, autant Biden. Mettons, je suis content de pas être américain présentement. Mettons, là. Mettons, on jase, là. Je suis content de pas être américain présentement. Attends, mais j'ai tout de mon 100%. Ouais, j'ai fait de mon 100% de ce niveau-là. Ah, il y en a deux autres niveaux, man. What? La carte. Attends, je dis peut-être ça que. Il dit ça peut-être parce que j'ai 19 ans, mais je trouve que la CAQ, c'est pas mal un parti que les souverainistes lâchent. En gros, ceux qui ont lâché l'idée de la souveraineté sont allés à CAQ. C'est ça que tu dis? Ben, t'as pas tort. À la base, là, François Legault, il est au Parti québécois. Puis c'est peut-être. Il semblerait, selon les bruits de couloir, là. Il semblerait que c'était un souverainiste ardent. Comme on appelle un caribou dans le milieu. Le gars, il s'est tanné, puis il a fait « Ok, man. Il m'a juste gouverné le Québec comme une province. » Sincèrement, oui. C'est vrai, il fonce! Dégueulasse. C'est quoi ça? C'est un dard! Est-ce que c'est weird quand le jeu fait ça? Regardez ça, là. Regardez ça. Ils sont tous pognés. C'est vraiment weird quand ça arrive. Ah, oh, change lesquels? Les rouges, j'en ai peut-être trop. Après, les gens, ils peuvent changer leur idée politique, là, tu sais, s'il y a pas de... On n'est pas des extrémistes non plus. C'est juste, ça fait pas sérieux, là, mettons, tu... Je sais pas comment expliquer, là, mettons... Mettons, t'es souverainiste, t'es nationaliste, t'es supposé un peu t'aimer, genre. De croire dans ton futur, dans ta langue, je sais pas. Hey, mais là, on va rentrer dans un débat, puis j'ai dit que j'allais pas faire le débat. Je peux pas récupérer. Attends une minute. Je fais disperser. Je prends juste les faits avec moi. Ils sont en train de brûler les petites faits. Bonne nuit, Miradon. Faites beau rêve, Miradon.
toutes les fées, là. Confus. C'est quoi ça? C'est réparé? Ah! Let's go, hein. Tu peux être nationaliste et fédéraliste en même temps. Tu penses? Ça me paraît être une idée un peu NON! Ils vont tout aller dans... De la folie. Shit, y'a des affaires là. Comment tu sais pour en pitcher? Tu peux-tu récupérer des Pikmin avec toi? Quand tu rentres, ils s'en vont. Ah, je pense que j'ai compris. Genre, je lance les jaunes, puis après, j'y relance. Ça doit être ça. Et ça fait ça fait pas de sens, cette affaire là. Le sprinkler, il arrête? Je peux vouloir rester à l'intérieur du Canada, mais avoir plus de pouvoir aux provinces. Ouais, mais... Ça a pas l'air de fonctionner, là. Oh non, mais attends une minute. C'est les fées, faut que j'envoie là, right? Les fées, ils s'en foutent-tu des bulles? Canada va toujours vouloir sa partie. Canada, il est juste là pour faire disparaître les Québécois. Point. En tout cas, moi, c'est mon avis. Ils font ça. Ok, les jaunes. Quoi, les implications de rester dans le Canada, devenir un jour anglais. Depuis... Ah, si, j'ai appuyé sur le truc alors que je voulais... Ah, fuck off, c'est de la mort. Il peut-tu les pitcher? Il peut les pitcher! Surpris. C'est quand même plutôt rare, voire pas mal inexistant, un pays qui a deux cultures, qu'il n'y en a pas une qui l'emporte sur l'autre. Là. C'est pas non plus. Je sais pas, man. Je veux dire, tu prends les Britanniques sur les Irlandais, les gars, ils sont pas posés 10 000 questions. Là. Ça, je pense que oui. Le mou manque toujours les conversations intéressantes le plus, moi. Ouais. Il nous aurait brassé ça, là, le mou, là, je le connais. Là. Les Écossais, puis les Britanniques, les Écossais. Ben, les Écossais, ils ont perdu leur langue. Il y en a qui veulent quand même se séparer. Il y a un référendum en Écosse. Qui a pas fonctionné. Il va venir avec moi, peu importe. Hein. La Belgique, l'Inde, l'Afrique du Sud. Que des régions où ça va bien. L'Afrique du Sud, quel endroit incroyable. La Belgique, je pense qu'ils ont même pas de gouvernement depuis 5 ans. Genre, c'est le chaos. Genre, je sais pas trop quoi. Je suis pas européen. Là. Mais qu'est-ce que j'ai compris? Genre, le roi, il faut qu'il gouverne une affaire qu'il devrait pas. Là. Parce que les Flamands pis les Wallons sont pas capables de s'entendre.
lane, ça va quand même popper. Quand même popper. C'est quoi cette affaire-là? Sur quel point? Non, il fallait que ce soit les petites fées! Bon, Yen! Ok, c'est bon. Mais tu sais, l'Inde. Ils sont pas genre en conflit avec le Pakistan parce qu'ils veulent remettre le Pakistan. Je sais plus comment ça marche. Je vais pas m'embarquer dans un débat que je connais pas. Mais... Disco! Disco! Disco Night! Allô, j'appelle! Ils sont fous, est-ce-t-il? On les appelle puis ils viennent pas? Ça rend fou? Ça, c'est quoi? C'est bleu? Ça va devenir mauve, ça? Ça devient jaune. Je comprends rien à cette affaire-là, même. Oh, vaut mieux reculer, on sait pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai rien compris à ce boss-là. Pikmin est complètement déboussolé. Le mieux à faire est de s'occuper de la créature. Et ouais, c'est pas possible. Oh, que c'est l'enfer. Je suis pas capable d'arrêter de faire en sorte qu'il soit déboussolé. Oh shit! Ah, c'est dead. Ah, ils se mettent à danser. Ok, je comprends là. Je commence à comprendre le boss. C'est l'enfer! Je sais pas c'est quoi la technique, mais c'est dégueulasse. Ah, fuck off! De son? Ok. Faut pas utiliser les Pikmin roses pour pas qu'ils se fassent écraser. J'ai rien compris. Genre la boule, elle devient jaune, elle devient rouge.
Ok. J'ai rien compris. Je me suis dit, quand ça va être rouge, je vais envoyer des rouges. Quand ça va être jaune, je vais envoyer des jaunes. 20 sur 20, boss fight. Hey, je sais pas, man. C'est pas clair. C'était pas clair. Regarde, on sait, ils peuvent vraiment l'amener. J'aime ce concept. L'araignée disco, un rave. L'Inde est un pays émergent. Ils sont sortis des pays en développement. Ouais. Je sais pas, j'ai pas d'avis vraiment sur l'Inde. Je vois pas ça comme un endroit stable. Je sais pas. Pas envie de me prononcer pour... plus qu'il faut, là, mettons. Comme on dit par chez nous, quand on le sait pas, on dit rien. Mais il me semble que c'est pas très stable avec son voisin pakistanais, parce que je pense qu'ils veulent rattacher le Pakistan. C'est pour ça que les deux pays se mettent des armes nucléaires pis tout. Je pense que la couleur signifie le danger de la vitesse de l'araignée bouge. Jaune plus vite, rouge très vite, etc. Ok, oui. Ok. C'est le Cachemire qui est en jeu. Le Cachemire, c'est-tu... Attends, mais c'est quelle qui est la région avec la Chine? Puis là, on va sortir, puis là, on va être parfait. Goon! Cachemire qui est en conflit, genre Pakistan, genre... Hein? Y'a-tu quelqu'un qui sait la réponse à ça? Ça m'intrigue, genre. Là, c'est le temps de sortir une joke de mon nom. Alors, le Cachemire, pour moi, c'est du papier de toilette. Non, c'est pas... du coton doux comme du Cachemire. Avec la madame qui se frotte du papier de toilette d'en face. Pourquoi pas? Pour moi aussi, c'est du papier cul. Ben, c'est ça qui arrive. Vous voyez, c'était une bonne affaire, ça. C'est une région en Inde, à la partition de l'Inde. C'était censé être Inde, les hindous, Pakistan pour les musulmans. Le Cachemire était principalement musulman, mais le prince a dit non. Et il a joint l'Inde. Ah, je vois. Ben, vous voyez, c'est ça que je disais. C'est ça que je disais, finalement. Je suis Fancy Frost. Le Cachemire, c'est du PQ. C'est ça. Cachemire entre Pakistan et Chine. C'est une autre région de l'autre côté du Népal uniquement avec la Chine. Mais après, c'est pas des conflits très actifs. Non, c'est ça. Alors, les deux pays se battent pour la région depuis ce temps-là. Vous voyez, c'est ça le point. Le monde ont trouvé des différences entre eux. Ils ont voulu genre faire chacun leur pays, chacun de leur côté. D'où je reviens avec Irlande, Angleterre. Je sais pas pourquoi on est rendu là-dessus. Là, ça va plus nulle part, cette conversation-là. Cheval, c'est ça, cheval avec un S. Avant, Cachemire s'appelait Cotonel. Avant que Kleenex achète le nom de rien. Ah, pour vrai? Ils se sont fait un... Ils ont fait un coup de chien. 72! Dude, on est rentré dans un truc, genre. Ah non, c'est vrai, on a quand même fait la colline. On a tous les oignons. Vous savez, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Ah non, ça, c'est les conversations inutiles. S'en fout. Il est rendu quand même 23h, ça. Je te rappelle pas que ça s'appelait de même. Tu te rappelles pas que ça s'appelait de même? Ça me dit quelque chose, Cotonel. J'ai comme aucun souvenir. Je sais pas pourquoi.